Eh bien bonjour tout le monde, c'est Eugène, très content de vous retrouver pour ce quatrième épisode de Camille. Pendant que Amaterasu fait une petite sieste, ça va, pas trop flemmard, selou quand même un petit peu. Donc ouais, quatrième épisode, donc ouais, briefing du troisième, on a débloqué un nouveau pouvoir, la floraison, qui nous permet donc de faire refleurir les arbres. En l'occurrence, les arbres indiqués, par exemple comme celui en haut de la carte là, les arbres que Sakuya, je crois c'est ça, nous avait... Donc demander de faire renaître. Et donc voilà, nouveau pouvoir. Si c'était passé que ça, on avait croisé encore Susanoo qui avait encore fait son clown là pendant un petit moment. Mais bon, rien de bien méchant. Et donc je vous avais dit à la fin de l'épisode 3 que j'irai gratter ici pour voir ce qu'il y a. Voilà, encore des sphères du bonheur. Allez hop, donc là rappelez-vous hein, on s'était dit que du coup avec ce pouvoir de floraison on allait pouvoir ressusciter l'arbre mort qui se trouvait sur les plaines de Inasaki. Putain, j'ai du mal avec les noms. J'ai du mal avec les noms mais en même temps je crois que je me trompe jamais pour le moment donc. Ah, et voilà une nouvelle technique dans la poche. Ama, écoute-moi bien. Avant que l'on se précipite et que l'on fasse n'importe quoi, j'ai un conseil à te donner. Écoute bien pour une fois. Si tu oublies ce qu'il faut faire pour continuer de progresser, appuie sur la touche Start pour afficher l'éventail. Ensuite, ouvre la mémoire. Tu y trouveras ton journal. Tu as pensé à l'arbre gardien fin d'or? Je suis sûr que tu peux aussi le ramener à la vie. Ah, d'accord. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Le journal consigne les dialogues importants que tu as entendus. Tu peux ainsi consulter à tout moment les infos que tu as oubliées. N'hésite pas à regarder ton journal avec la mémoire que tu as. Je suis sûr que ça t'aidera à te souvenir des choses importantes. Ton aventure ne se passera pas... Ton aventure se passera bien mieux si tu suis mon conseil. Souviens-toi de faire les choses une par une. Allez, en route. Très bien. Ah, lui il a arrêté de taper bizarrement. Bizarre, la rivière a l'air plus propre. J'ai vu passer Susanoo il y a un instant. C'est quand même pas lui qui aurait nettoyé la rivière. Non, impossible. Ah ouais, vas-y. J'espère qu'il va pas encore récolter tous les mérites, cet enculé là. Alors attendez de... Oh merde, un combat. Alors, il où cet arbre? Il est là-bas, je crois. Oh, j'ai un peu chié, je crois. Là, ça va pas marcher. Ah, si. Putain mais hey, trouvez-moi un jeu d'une beauté égale à celle-ci et je vous donne 1000€ quoi. Sur le champ. C'est complètement ouf quoi. C'est complètement ouf. Attends, j'ai même pas vu, j'ai gagné combien de sphères. La Zomoji t'a complètement disparu. Les arbres, les animaux, le parfum, les fleurs, tout est de retour. Ah. Thank you.
Très bien. Sakuya a l'air de mieux aller, je suis content. Vous obtenez éviter les combats. De précieuses informations ont été écrites. Oh, éviter les combats, est-ce que ça vaut la peine de le lire? Allez, quand même, par la forme. À certains endroits, l'influence du malin est si forte qu'elle se manifeste sous forme de parchemin démon. Un simple contact physique suffit pour vous y retrouver prisonnier dans leur domaine. Chez eux, ils se sentent bien plus braves et vous attaqueront sans attendre. Il est possible de s'enfuir si la bataille est trop risquée. Si vous trouvez une brèche dans la barrière de leur domaine, vous pouvez l'attaquer. Vous pouvez l'attaquer pour vous enfuir. Ok, ça roule. Alors. Du coup, c'est quoi ça? Un point de sauvegarde? Parce que c'est utile, franchement. Bon, allez, je le fais pour la forme. Mais c'est vraiment parce qu'il est là, quoi. Pour l'épisode 4, on utilise le slot numéro 4. Voulez-vous sauvegarder ici? Oui, monsieur. Voilà. C'est parfait, tout ça. Donc du coup, il est où l'arbre gardien? Enfin, l'arbre de Sakuya. Ah, il est là-bas. Ouais, faudrait que j'y retourne à l'occasion, mais comme elle a dit, pour le moment, il sonne. On va... Eh, je peux pas creuser, c'est du béton. C'est du béton. Et moi, je veux pas que ce soit du béton. Je veux que ce soit des fleurs. Bon, bah apparemment je peux rien faire pour le moment. Mais si j'allais revoir le bûcheron là, maintenant que j'ai tout fait revivre. Ah bah non, même pas, lui il était prisonnier. Qu'est-ce que j'étais en train de faire déjà? Ah oui, je me suis réfugié sous cet arbre parce que j'ai entendu un bruit terrifiant comme le grognement d'un monstre. C'est le destin qui m'a amené ici, je vais installer mon magasin ici. Sans toi faire des courses, un chien vient me voir. Ah, au fait, je ne sais pas si tu vas comprendre, mais j'ai une faveur à te demander. Avec ton foulard, tu feras l'affaire. Si tu déniches de belles assiettes et de beaux bols, ce serait dommage de les laisser. Ramène-les-moi plutôt. Et si tu trouves un trésor intéressant, je te le rachèterai. Des trésors? Tu as déjà trouvé ce genre de choses là-bas. Qu'est-ce que tu ferais de bols et d'assiettes? Le mieux, c'est encore de les vendre. C'est vrai que c'est plus facile à vendre que tu... Ok, mais tu... Même en taille. Qu'est-ce que tu racontes? Tu as quelque chose à me vendre? Qu'est-ce que tu vends de beau, toi? Charme de protection. Envoie temporairement les attaques. Purifie légèrement les ennemis. Augmente temporairement l'attaque. J'ai combien? J'ai 14 600. Oh, allez. Je peux me laisser tenter par quelques trucs. Ça, je le prends pour avoir des sphères de bonheur. Ça peut être sympa. Qu'est-ce que je pourrais lui vendre du coup à ce mec? Oh, j'ai rien. Rien à te vendre, mon pote, désolé. Bon, alors, regardons un peu notre carte du coup, parce qu'elle a dû se révéler. Donc là, les espèces de ronds, j'en conclus que c'est les arbres que j'ai fait revivre. Moi, je serais d'avis d'aller là-bas. Mais attendez, parce que c'est bizarre du coup, si ce serait les ronds que j'aurais fait revivre. Oh là là, je comprends pas forcément tout ce qui s'y passe là, sur cette carte. C'est quoi ça là? C'est quoi cette vieille porte? Elle a l'air louche. Pire que ça, elle est infestée par le mal. Mais bon, tu es un dieu et moi, il sonne l'intrépide. Alors, Ama, qu'est-ce qu'on fait? On passe à travers? Bien sûr qu'on passe à travers. Oh, allez, rock'n'roll, baby!
merde. Pourquoi ça marche plus les trucs là, les coups d'épée? Allez, tiens là. Il y a un petit côté beat'em all, je trouve, dans les phases de combat. C'est assez agréable. Voilà, une bonne chose de faite. Ces portes sont des passages vers le monde des yokai. J'ai entendu parler de ces portails, on les appelle les portes du démon. Ces monstres ont du culot de venir nous infester ici. Allons leur botter les fesses, Ama. Chasseur de démons. Vous obtenez 5 aliments, herbe, de l'herbe parfumée, des aliments herbivores en raffole. Four du potier sans nom. C'est un four pour cuire les poteries. Quelqu'un devait sûrement travailler ici. Avec un four pareil, il devait faire des objets de poterie magnifiques. Est-ce que je peux couper ce rocher? Non. Oh putain, par contre j'ai coupé un arbre. Qu'est-ce qu'elle dit la carte? Qu'est-ce qu'elle dit? Alors vous avez vu, il y a des espèces de ronds rouges qui bouge un petit peu, donc on va aller voir vers là-bas ce qui s'y passe. Ah, regardez! Ah non, j'ai cru que c'était Susanoo. Aïe aïe aïe! Quelle est cette mauvaise farce? Moi, Idaten, le bolide coursier. Je ne trébuche jamais, je peux même plus bouger. Pas de temps à perdre, les gens attendent leur courrier. Ces démons ont posé des pièges un peu partout. J'aurais dû acheter une amulette de voyageur. Oh putain, merde. Comment ça aide beaucoup les enculés, hein. Ça, alors, regarde le visage de cette statue. Elle a la même expression débile que toi. Le petit bâtard. C'est quoi ça? Il y a une fissure dans le mur. On sent même une petite brise passer à travers. On devrait faire tomber ce mur à main. Ouais, je suis d'accord. Mmh.
Tu es bien énervé. Tu crois vraiment que tu peux démolir ce mur avec un coup de tête? Bah, ma foi, je dois pas pouvoir le démolir comme ça, à moins que je... Peut-être... Ouais, c'est débile ce que je suis en train de faire, mais bon, ça coûte rien d'essayer. Ouais, non, vous voyez. Bon, tant pis. On verra ça plus tard. Ah, on est vraiment dans un Zelda, là, concrètement. C'est vraiment un univers... Moi, ça me fait penser vraiment à Zelda, les plaines comme ça et tout. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Vers la maison de l'artificier. Ouais, attendez, je vais quand même aller voir là-bas avant. Que ce monde est grand, mon dieu. D'accord, c'est les portes en fait, les trucs ronds comme ça là, ok. Oh, comment je les ai mangés. Oh putain, il y en a encore un. Merde, j'ai fail. Allez là, on va finir par l'avoir quand même. Oh, je rêve où jette des canons le mec. Ah. Là par contre je crois que je vais pouvoir l'avoir. Voilà. Ok, c'est cool. C'est quoi ça? Toutes les formes dans la réalité sont vides, mais le vide est la vraie forme. Dis donc, il manque pas d'air celui qui a écrit ça. Ama, cet endroit s'appelle un dojo. C'est là que vient apprendre les arts martiaux. Ok. Mais je ne sais pas si on accepte les Lucy. Si tu es sage, peut-être qu'on t'apprendra un truc ou deux. Je suis sûr qu'il va y avoir l'espèce de Susano là. Qu'est-ce que ça mange les cochons? Les graines? Bon, j'aurais bien bouffé un cochon par contre. Hein. Du bon bacon. Tiens donc, voilà une visite incongrue. Bonjour joli loup, je m'appelle Ongiri Sensei. Oh la vache, et ceci est mon dojo. Maître du combat. Mon dojo, tu ne serais quand même pas venu apprendre les arts martiaux? Oh, bah bien sûr que je vais apprendre des techniques. Oh,
Oh le bâtard, bien sûr que je peux payer. La valse enchantée. 10 000! Allez, bouffe mes économies, le mec. Vas-y, je paye. Bien sûr que j'ai l'argent. Excusez-moi, je parle peut-être trop près du micro, j'étais affalé comme un gros porc. Se calmer le papy, oui. Ah bah vas-y, c'est bon, je suis là, là. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Est-ce la peur qui te fait hésiter? Viens ici et commençons ton entraînement. Et qu'est-ce que je fais là, à ton avis? Est-ce la peur qui te fait hésiter? Viens ici et commençons ton entraînement. Mais... nom de Dieu! Où vas-tu donc? Paille à son poilu! Tu ne peux fuir ta destinée. Ama, tu vas te faire refroidir. Ah, faut que je le tape? Non. Attention, je me fâche. Loupé. Non mais attendez, mais c'est une blague. Qu'est-ce que je dois faire, putain? Attention ou je me fâche. Mais qu'est-ce que je dois faire dans une pipe? Je veux partir! Bon, comment. Ah, fallait aller là-bas, d'accord. Bon, commençons l'entraînement. Je vais être initié à la technique divine, la valse enchantée. Tout d'abord, les explications de base. Rentre les toits bien dans le crâne. Valse enchantée. Appuie sur la touche R2 rapidement et sans hésitation. Ainsi, tu pourras esquiver avec grâce les attaques ennemies. Tu te déplaceras dans la direction du joystick gauche. Tu peux aussi accélérer immédiatement ton bouton d'esquive. Utilise la touche R2 pour sortir de la situation désespérée. Alors, c'est bien compris? C'est compris? Oui! Je vais donc te confier le manuscrit des techniques. Si tu oublies ce qu'est l'esprit guerrier, j'ai dit un œil pour raviver la flamme de ton âme. Cette technique supérieure ne peut être que grande amplitude naturelle. Un simple apprentissage ne donnera jamais de bons résultats. Une fois que tu seras suffisamment exercé, si tu vas parcourir les plaines afin de faire cette technique. D'accord. Alors, la valse enchantée. C'est quoi, c'est ça la valse enchantée? Comment? Tu veux réécouter mes explications? Misérable ver de terre. Enfonce-toi bien dans le crâne. La valse enchantée. Non mais c'est bon, je voulais pas, monsieur, excusez-moi. Alors, c'est bon, c'est bien compris. Si tu veux en savoir plus, consulte le manuscrit des techniques. Cette technique supérieure ne peut être maîtrisée que par ceux qui ont de grandes amplitudes naturelles. Un simple apprentissage ne donnera jamais. Ok, c'est bon, vas-y là. Putain, 10 000 dollars pour ça. Pas comme si je m'étais fait carotte, quoi. Te voilà donc parti, écoute-moi bien. Nous, même si tu as maîtrisé la technique, ne pars jamais de ça, la perfection. Ou ça en sera fini de toi. Ouais, bah franchement, 10 000 dollars pour ça? Je me demande si c'est quand même utile, hein. La valse enchantée. Ouais, bon, je me tâtais en fait, là, pendant que je faisais le con, je me tâtais à payer la deuxième technique, mais pour le moment, on en a pas besoin, je trouve. Je préfère garder ma thune. Donc, là, du coup, ça a été fait. On va aller voir là-bas un peu ce qui s'y cache. On va essayer de nettoyer un peu les plaines. Ce sera peut-être... oh, un cheval. Non, ça mange de l'herbe. Non, pas de la viande. Ah, mais j'ai plus d'herbe. Ouais, bah ouais. Non, j'ai plus d'herbe. Désolé, cheval. Ouais, donc je disais, ça sera peut-être l'objectif premier de cet épisode 4. Essayer de récupérer tous les points. Tous les points... comment dire? Les points pris par les Mokai. Eh, le monde est vachement grand, hein, putain. C'est assez énorme.
Sanctuaire de la Lune. Les gens se purifient ici avant de les pénétrer dans un cadre de la Lune. Ok, on va aller voir ce qui s'y cache. Bonjour. Terrible, c'est terrible. Voilà un visiteur inestimable. Je arrive juste au bon moment, ami loup blanc, écoute-moi. D'accord. Attendez, juste regarde un truc. C'est sûr qu'ils sont responsables de tout ça. Enfin, c'est possible que ce soit eux. Il faut faire quelque chose. J'ai déjà préparé une liste d'avis de recherche contre eux. Avis de recherche. Pourquoi je peux pas le lire? Les Camis ont fait en sorte que ces vauriens aient une marque sur eux. Tu les repéreras facilement. Mais ils sont très méfiants et ne sortent que la nuit. Tu veux bien mettre cette liste dans un endroit visible, ami loup? Je suis sûr qu'une âme courageuse s'occupera de ces filous. J'ai obtenu la liste, ok? Camille te protège. Dis donc, boule de poil, et si on s'occupait de ces crapules? Faisons une bonne action alors. Et on leur mettre une raclée. De toute façon, que l'on veuille ou non, on finira par les rencontrer, alors autant gagner la récompense en même temps. Ils ne sortent que la nuit, hein. Donnons-leur chasse alors. Ok, d'accord. Alors ça, je pense pas que ça soit la trame principale du jeu. Par contre, ça peut être une quête annexe. Je me dis qu'on peut la faire. Hein. Ça coûte rien. Oula. Vous avez trouvé Toya l'impulsif. Regarde cette créature. Elle a été percée d'une flèche de purification. Ces flèches sont des reliques sacrées qui bannissent le mal. Quelqu'un a donc vraiment voulu se débarrasser de ce monstre. Ama, ne laisse pas s'enfuir, finissons-le. Vous avez vaincu Toya l'impulsif. C'est un de ces monstres qui sont sur la vie de recherche. On est tombé dessus par hasard, voilà une bonne chose de faite. Tu sais ce que tu dois faire maintenant. Parle au nom de ce Ekai sur la vie de recherche. Le monstre que tu viens de zigouiller se trouve sur cet avis de recherche. Tu n'as plus qu'à le rayer dans la liste avec ton pinceau. Ok. Oula, 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 oula. La vache. Et un de moins. Si on continue à cette allure, on va tous les barrer vite fait. Une fois battu tous ces cailles, farceur, allons voir le prêtre. Il aura peut-être une récompense pour nous. Ah, c'est possible. Mais est-ce qu'ils sont indiqués sur la carte? Ce serait bien qu'ils soient indiqués sur la carte. Ah, je peux me barrer, regardez. Non, je peux pas. Ah, je croyais que je pouvais. Attendez, juste regarde un truc. Non, ça marche pas. Je pensais que c'était un endroit pour s'enfuir des combats. Thank you.
Qu'est-ce que c'est que ça là-bas là ? Putain, le monde est vachement grand. De nourrir les animaux. Des précieuses informations sont écrites. Ouais, bon, ça pour le moment on s'en fout un petit peu quand même. Hein. Bah alors. Ah, il y a une fissure. Regarde, le sol est fissuré. Je suis sûr qu'il pourrait s'ouvrir avec une puissante explosion. Il y a peut-être quelque chose derrière. Ah oui. Mais oui, mais bien sûr. Mais il y a... tout à l'heure, on n'est pas passé devant un truc qui s'appelait la maison de l'artificier. Moi, je pense que ça doit être grâce à lui qu'on va pouvoir péter le mur qui est fissuré là-bas et la fissure qui est au sol ici. Ça me paraît très, très, très probable. Bon, je vais continuer à explorer un petit peu là avant de prendre des décisions concrètes. C'est quoi ça? On s'entraîne, il va s'en faire un mec qui se traîne là. Ouais, c'est possible. Vous obtenez une perle errante. C'est quoi ça? Trouver toutes les perles errantes éparpillées à travers le pays. Ouais, bien sûr, j'ai que ça à faire. Ça doit être une quête annexe, hein, mais là, dans l'absolu, si je m'y attelle, on finit jamais le jeu, quoi. Ou alors à l'épisode 327. Ah, faudrait que je rachète des trucs à l'occasion, là j'en ai plus. Bon, qu'est-ce qu'on fait du coup, les amis? Je sais pas trop. Ah, c'est quoi ça? Regarde, c'est une statue protectrice, mais elle est bien abîmée. Personne ne vient ici depuis longtemps. Je suis un peu triste pour elle, et si on lui faisait une offrande? Comment tu lui fais une offrande? Merde. Ah, il s'est passé un truc là, non? Attendez, deux petites secondes. Non, ça a pas l'air de marcher. Ça a pas l'air de marcher. Tiens, c'est pas toi qui vends les trucs là? Il me semble que si. Ah, le papy m'a tout pris là tout à l'heure, c'est abusé. Hein. Voilà. Avec ça, je suis tranquille. Donc, au niveau de la carte, ça dit quoi? Ah, bon, bah de toute façon, ouais, j'étais parti pour faire la quête annexe, mais bon, si le jour se lève, ça sert plus à rien, étant donné qu'ils apparaissent que la nuit. Ça, c'est un truc, je pense, à faire. Sur le long terme, c'est à dire que c'est quand tu passes par là, bah t'en profites pour le faire, tout simplement. Donc ouais, moi bah écoutez, je vous suggère qu'on aille du coup bah à la maison de l'artificier, juste pour voir s'il peut nous fournir des explosifs afin de péter les fissures. Oh bah alors. Bah alors. C'est quoi ces conneries? Ah bah c'est bizarre.
Super bizarre même. Pourquoi l'arbre ne veut pas renaître, enfin refleurir. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais c'est un poisson! C'est quoi ce truc de dingue? Ah, ça doit être un... Peut-être un des monstres bannis, là, vous savez, sur la liste de recherche, je sais pas. Non, bah non, sinon il m'aurait marqué son nom au début. Ah ça, ça m'intéresse. Ça m'intéresse beaucoup même. Celui-là, je fus longtemps infligé d'une triste malédiction. Chaque année, à la veille de la fête du village, Orochi Dragon avança dans le ciel. Une flèche à plumes blanches. Mais ça, je le sais, ça, on nous l'a dit au début du jeu. Je dors comme une pierre, revenez plus tard. Bon, il va falloir revenir ce soir. Ah, parce que monsieur travaille le soir, logique. Bon, bah on va revenir le soir, les amis. On va revenir ce soir, en attendant, bah on va se permettre d'explorer encore un petit peu le monde. Je sais qu'on n'a pas encore été, là-bas on a été, là-bas on a été. Je vais aller voir là-bas, tiens. Ah bah c'est pas là-bas qu'il y a Sakuya, faudrait que j'aille la voir tout à l'heure, tiens aussi. Tout à l'heure ou au prochain épisode, je sais pas. Je vais juste aller voir là-bas ce qu'il y a tout au bout. On va aller voir ça tout de suite. Oh là! Qu'est-ce que... Il y a comme une barrière magique dressée devant l'entrée. Même moi, je n'ai jamais ressenti un tel pouvoir. Il vaut mieux rester à l'écart si on tient notre fourrure. Ah, tu m'étonnes. Bon, ça, je pense que ça sera un endroit à aller plus tard. Hein. Si c'est là que Izanagi avait combattu Orochi, il est possible que ce soit l'endroit où on battra Orochi à notre tour. Mais bon, a priori, c'est pas pour tout de suite. Hein. Alors attendez, là-bas j'ai déjà été, mais comme il y a de l'eau, est-ce que je peux vraiment aller tout au bout? On va aller voir ça.
J'espère que je suis pas en train de m'emmener dans un truc à la con. Oh non! Oh, ça va. Alors du coup, est-ce que là, ça correspond à quoi? Attendez. Restaure 3 soleils d'énergie. D'accord, bon, je vais pas utiliser vu que j'en ai que un de perdu. Je vais aller voir plutôt Sakuya. Si je peux toujours. Comment je fais pour y aller? Faut que je retourne au village, je crois, non? Il y a un truc à faire ici, c'est obligé. Même pas. Quel endroit il nous reste à voir? C'est ça que je comprends pas aussi. Village de Kamiki. Donc là, d'accord. Vallée de Anasaki, on y a déjà été. Cave de la lune entrée, on y a été. Tu sais, en 100 ans, les choses ont bien changé. Tu devrais bien explorer partout. Oui. Tu vois, la carte indique plein d'endroits pas encore visités. Maintenant qu'on est là, autant tout visiter. D'accord, alors maintenant... Merde, non, c'est pas là, c'est là-bas. Je viens d'avoir une idée... Il me semble avoir vu une barque tout à l'heure. Ah, déjà il y a ça. Oh le bâtard! Ça commence à être chaud les ennemis là. Ah oui, charme de protection. Le vendeur, il en vendait. C'est bizarre, là. Il y a un gros dessin sur le sol. Bon, j'espère que j'ai pas dit de conneries par rapport à la barque. Parce que c'est vrai, tout à l'heure j'ai vu une barque. Mais est-ce que je peux l'emprunter? C'est surtout ça qu'il faut se demander. J'ai pas l'impression. Thank you.
Bah ouais, mais comment je fais pour utiliser la petite barque là? Ah là là, c'est pénible. Bon, il fait nuit. Il fait nuit, il fait nuit. Je vais sauvegarder. Parce que mine de rien, ça va faire encore 50 minutes qu'on joue. Alors certes, on n'aura pas fait grand chose durant cet épisode, mais... c'est les... Bah, je vais pas dire le problème, mais... ça arrive quand on fait des jeux aussi vastes que celui-ci. Avec un monde aussi ouvert. Forcément, il y aura des épisodes un peu creux niveau scénario. Mais ça, bon, bah, c'est la vie, hein, en même temps... on n'a pas non plus perdu notre temps à rien faire. Je trouve qu'on a quand même avancé. Voilà. Et donc on va sauvegarder sur celui-là. Non, je vais plutôt sauvegarder sur celui-là. Voilà, vous voulez vous creuser cette année ? Oui. Bon, et bah les amis, c'est la fin de ce quatrième épisode. Ça va déjà super vite, un hein, quatrième épisode déjà de tournée, donc 3h16 de jeu. Ouais, c'est vrai que ça va très très vite. J'espère qu'il vous aura plu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pas trop d'avancée. Ah, vous avez vu là-bas, là ? Faudra qu'on y aille la prochaine fois. Pas trop d'avancée au niveau du scénario, mais bon, comme je le disais, c'est normal. C'est un jeu super complet, super vaste, donc forcément, il y a des moments où on n'avancera pas forcément. Donc voilà. En attendant donc le cinquième épisode, moi je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.